Et yo tout le monde, c'est Eridil, on se retrouve pour un petit live sur le Halo Insider. Actuellement c'est du 4v4, donc objectif, slinger, tout ça, enfin du 4v4 DMR qu'il y a, données non synchronisées. Et la playlist a changé, donc c'était normal qu'on pouvait pas lancer, donc c'est merveilleux. Attendez, c'est du c'est du 2v2 non. En solo. What? Non. Bah ben oui, mais ben on peut pas lancer, évidemment. T'as eu du groupe maximal, connard. Encore alors, à 19h22h encore. Il y a du double en équipe. Il y a du double en équipe. Il y a pas de 4v4. Non. On part de notre côté en 2v2, tu vois. Et peut-être, je touche du bois, on va pouvoir se rencontrer. Et... Oh, mais c'est beau. Mais oui. Au premier coup. Oui, le live est en 3 FPS. Je confirme, le live est en 3 FPS. Alors. Le viseur, oh, ça, c'est pas beau. C'est la dilatation du viseur. Attendez. Ah, bah là, la dilatation, on est en train de la voir. Là. On peut parler du. Oh non, je vais mourir dans l'espace. Oh, c'était des merdes. En fait, tu fais un saut quand t'es sur le toit, tu ne retombes pas assez vite et tu meurs. T'as bugué? Un peu trop, je crois que le truc a freeze. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, j'arrête avec ça, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien, l'hologramme, je confirme. Ne me dites pas que je vais me claquer dans l'espace, autant. Ah, mais il a une épée, lui. Ah, tiens, ah, ouais. Je prends. Oh, ah, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la charge sur ce jeu. Eh ben non, il n'y a pas la charge sur ce jeu. Joueur d'Halo 5, bonjour. C'est ça. Merde. Non, c'est camouflage. Oui. Quoi? Je crois qu'il y a. Oh. Quoi? Alors, bonjour. Bonjour. On n'est pas sur serveur dédié, ils ont vraiment conservé le mode pense de... Pas... Tous ceux qui étaient... Oh non, mais il m'a fumé la gueule, putain. Bon, 4-3 pour l'instant, ça se tient. On en reparle après, oui. Hein. Bon, je t'ai tiré comme un lapin. Oh, il m'a défoncé. Oh, je l'ai défoncé aussi. Appel au clipshot. Appel au clipshot, si vous avez des clips. Si vous avez des clips, envoyez les clips. Ah bah, il fait plaisir, celui-là. Ouais, je t'ai dit, je le sentais pas, je les voyais un peu trop. Ah, c'est dommage. Tu dis ça uniquement parce qu'il y avait un mec qui avait un grade, je savais même pas ce que c'était. Aïe 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 aïe. Oui, alors j'attends ouais, les grades, je sais pas du tout ce que ça va être. Et moi, un gros questionnement que j'ai, c'est est-ce que l'XP accumulé sur la TMCC va être converti en grade? L'XP qu'on a eu avant la mise à jour à l'Orich, qu'il y aura? Bah oui, parce que tu vois, t'as des. Par exemple, moi j'ai 25 000 frags sur la TMCC. Ah, d'accord. Ça me ferait mal que ça soit pas compté du tout, sachant qu'en plus il y a quand même un compteur de médailles intégré au jeu et que c'est indexé sur les médailles. Hein. J'ai lu à bugger, je crois. Alors on a trouvé. Ah non, alors c'est pas toi, hein. Vu la tête du grade. Ah non, je sais pas on ce va que se faire défoncer. Grade, mais c'est pas toi. Hein. Bon, je pense qu'on va partir en Bambi. Hein. Alors donc vous pouvez voir que Novel est quelqu'un d'extrêmement pragmatique et réfléchi et posé, n'est-ce pas? Oh putain, le roquette. J'en ai un. Oh là là, mais c'est quoi? Mais attends, la grenade, elle m'a tué à travers le plafond, s'il te plaît. Putain de fils d'unijambiste. Bon, ouais. Ok, je vais tellement me faire défoncer. Non, mais je me fais exploser, moi. Il y a Léo qui veut que tu fasses du SPV3, Eric. Oui, alors, Léo, non. Voilà. Ah, c'est même plus de la fleur de sel, c'est je vais directement à la salière, là, à la mine. À la mine, je vais le chercher le sel. Là, il est dans un désert de sel avec une pelle, il creuse sa tombe. Ah oui. Ah, ou alors il a un bien, dis donc. Ah, nickel. Ah, tatatatatat. Oh non. Oh non, je l'ai loupé. Non, mais... oh, le cri qu'il a poussé. Mais par contre, j'ai des décalages de ouf, hein. Quand je tue quelqu'un, des fois, il se passe une seconde avant qu'il tombe. Hein. J'aime bien parce que, en fait, Novel, il voit une grenade, il se recule pour mieux sauter, tu vois. Merci. C'est exactement ça. Vraiment, le bloom, c'est pas possible. Non. Ah, mais il est sérieux, lui? Bah oui. Mais non! Bah oui, il est mort de rire, bah oui! Putain, oh là là, allez, ce bloom! Fait. Ah là là! Bon, Novel, qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes? Mais oui, j'ai des problèmes! Oui, alors le menu est stable. Ah, par contre. On a des infos sur un baptême du feu sur Infinite. Non! Voilà. On n'a pas d'infos. Donc, arrêtez de poser la question, ça fait mal de la poser. Ah ouais, on est deux baleines! Et.
Yes. Ouais, baleine représente. Oui. Ouais. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que là pour le coup, les lives, je vais pas forcément mettre les lives en ligne. Je pense que je vais tenter de faire une petite VOD, et puis voilà. Pardon, désolé, je sais pas, j'ai une Girl X quelque chose qui m'a... Ah ouais, ah, moi, là. Mais non, c'est juste, t'es charmant, et... Ouais, ouais, bien sûr. T'es charmant. Ouais, ouais, bien sûr. Non, je pas... Oh, oh, oui, oh oui, oh merci, frère. Allez, merci. Allez, ah, allez. Ah oui. Pas changer... Non, oui. Non, non. Ok, donc le fusil est cuit. Alors d'accord, donc Hawk, je vois, c'est ce genre de mec, merci. Il a quand même eu des états d'âme. Hein. Ah merde, il était FK. Bon, bah. Pardon, est... désolé, je viens juste de revenir. D'accord, il s'est rien passé du tout, t'es pas mort, rien. Hein. Oh c'est qui m'a mis une grenade? Hawk. Hawk. Il est où l'univers de Halo là? J'ai un problème de connexion, je crois. Putain, j'ai changé la config, c'est terrible. Hein. Ah, le Gloom. De toute façon, c'est toujours... En fait, Halo Reach, à la rigueur, il y avait quand même un truc bien. C'est que tu pouvais dire, ah putain, le Gloom, et c'était toujours la meilleure excuse, en fait. Mais c'est celle que tu utilises depuis tout à l'heure. Hein. Oui, bah non, mais parce que... Oui, mais est-ce qu'elle passe pas, entre nous? Ouh, mec, là, non, mec, non, 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 non. Ah, mais je vais prendre un pack de soins, foutez-moi la paix. Ah merde, ça souffle. Ah. J'ai vu ça. Il essayait tellement de fuir. Oui, alors les tuyaux, tu peux monter, pas descendre. Ah, merci pour le tuyau. De rien. Oh. Oh. Attention, on fait de l'humour chez Halo. Ah. Putain, oh, je te déteste. C'est hors map, là, ça sert à rien. Tu vas bien devoir redescendre un jour. Bien joué, cher collègue. Bien joué. Mais comment il est pas... Ah, le... Non, mais le Bloom. Le Bloom. Désolé. Le Bloom. Ah. Ouais, t'as vu, le Bloom, c'est bien, hein, ça passe bien. Ah, la MCC Insider, oh, c'est bon. Oh mon dieu, un frag. Du coup, Rich, ce sera beaucoup pour la campagne et le baptême du feu, hein. Pour ma part, en tout cas. Oh, les tricks. Les tricks. Et toi aussi, tu vas en faire des tricks. Oh là là, la grenade. Alors, est-ce que on aura la mage MCC gratuitement si on a la MCC? C'est une bonne question. Je crois que sur PC, Rich, il faudra payer individuellement. Enfin, on pourra payer individuellement les jeux ou tous les jeux d'un coup. Ah, ça. Mais alors, concernant les détenteurs de la TMCC, j'aurais tendance à dire qu'ils vont le donner. Je pense que ce sera juste. Je pense que ce sera gratuit, moi. En pour plus, ceux on l'a en tant qu'insider. Je pense, ouais. Ça me paraît très bizarre qu'ils fassent payer. Moi, la MCC, j'ai joué dès la sortie, c'était infâme. Genre, en fait, tu vois, le pire, c'était Halo 2 qui était le plus buggé. Donc, c'était énervant en plus, parce qu'évidemment, tout le monde voulait jouer à la campagne d'Halo 2 Anniversary. Ouais. Et c'était horrible, parce que vraiment, des fois, on prenait une heure pour l'eau d'une mission à deux. Et puis, tu prends aussi toutes ces histoires de succès qui se resetaient systématiquement et tout, de playlists qui se resetent. T'as vu flou? Voilà. Non! Oh, t'as eu tellement du cul, toi! Non, non chance, mais non! Vas-y, viens! Oh merde, oh merde, oh merde! Allez, allez! On vient, tu vas pas m'échapper! Non, tu non, vas pas t'échapper! Oh non! Non! Quelle enfoiré, je m'en fous! Ah, mais viens! Ah oui, j'en ai rien! Tu vas mourir! Allez! Mais non, mais pourquoi tu me l'as pris? Mais quel salaud! Alors, on va revenir au menu. Et quelle heure? Alors, il est 22h. Alors, moi, j'aimerais bien aller voir la forge, tant qu'on y est. Create. Ah oui, forge et cinéma. Ah, mais on peut aller en cinéma. On peut aller voir les games qu'on a fait. Mais il n'y a pas les... Alors, en gros, il y a que... Il y a toutes les maps affichées. Univers forge, on peut pas y aller. Non, ça va planter au démarrage. Non, seulement les maps qui ont été dispo, donc... Bon, on va voir si on peut y aller, ce serait sympa. Ah, yes, c'est cool. Les commandes du moniteur, j'y arrive pas. Ah oui, oh, putain, il y a le moniteur. Oh, le Falcon. Alors là, tu vois, s'il y a bien un truc sur Halo Reach qui était inoubliable, c'était le Falcon. Oh là là, ça, mais avec des... Oh, putain de merde. Et alors, attends, dis-toi, c'était possible d'avoir vraiment des véhicules sans tourelle sur Halo Reach, mais c'était extrêmement rare. Ça m'est arrivé deux fois d'avoir des Warthog passagers. Le véhicule apparaît, et ensuite l'arme apparaît. Ce qui fait que si t'avais un changement d'hôte au moment où le véhicule apparaît, bah, la tourelle n'apparaissait pas toujours. Voilà, non, c'est pour raconter ma vie. Voilà. Tu vois, déjà, je l'ai trouvé joli à l'époque, mais là, avec le motion blur en moins et tout,
quand même une autre paire de manches. Hein. Celle-là, j'aimais bien, la map a été vraiment intéressante à jouer en BTB. Hein. Mmh. Est vraiment très intéressante. C'est quoi non, ça là, c'est un rayon. Il s'est passé quoi là? Alors attends, bon, est-ce allez, que la flotte va... est tue ce jeu? C'est vraiment belle. Mettre fin à la game, on va peut-être pas s'éterniser. D'ici là, portez-vous bien et bien entendu, vive à l'eau! Vive à l'eau!